Le nouveau bilan du coronavirus en Algérie a été révélé tout à l'heure. Les derniers chiffres ont été donc portés à la connaissance du public par le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie, Jamel Fourar. Écoutez sa déclaration. Pour les principaux indicateurs, au cours des 24 dernières heures, nous avons enregistré 112 nouveaux cas, 129 cas guéris, 39 patients en soins intensifs et 10 décès. Avec l'enregistrement de 112 nouveaux cas, le total cumulé de cette pandémie en Algérie depuis le début à ce jour est de 11 031 cas, soit une moyenne de 25 cas pour 100 000 habitants. Et nous voyons que 12 wilayas n'ont pas enregistré de nouveaux cas au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des décès, nous avons encore malheureusement enregistré 10 nouveaux décès, ce qui porte le total cumulé des décès à 777, sachant que 76-75% des cas sont âgés de 60 ans et plus et que près de 70% ont une maladie chronique associée. Pour les patients guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers, le total est de 7735, dont 129 ont quitté les hôpitaux guéris durant les 24 dernières heures. Concernant les patients qui ont bénéficié du protocole thérapeutique en vigueur à ce jour, leur nombre est de 22 539. Et pour ce qui est des patients en soins intensifs, nous avons actuellement 39 patients en soins intensifs. Il est toujours important de rappeler que le port obligatoire du masque de protection est un devoir national et également un comportement responsable afin de réduire la circulation du virus en Algérie.